Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour une review. Une review d'un joueur brésilien qui évolue en BBVA. Je parle bien sûr de Neymar. Neymar que j'ai fait évoluer au poste de MOC car de base il est BU. Mais vu qu'il manque nettement, nettement de physique, je préfère le faire évoluer en MOC. Et vous verrez que par les clips, en MOC, c'est un dieu. Donc, Neymar. Ses stats, c'est un 84 de général sur la carte, 90 de vitesse, 80 de tir, 76 de passe, 92 de dribble, 53 de défense, 58 de tête. Voilà, c'est pas super. À part la tête, je trouve qu'il est vraiment assez bon de la tête. Après en défense, c'est vrai que il manque nettement de force, donc en défense, c'est logique qu'il n'a pas des stats super super. Il existe aussi en version boost sur le côté gauche, donc du côté Ronaldo, du côté voilà. Il coûte très 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 cher sa version boost. Le prix de sa version régulière c'est 270 000 à peu près sur Xbox, 371 000 sur PS3, sur PC mais 380 000. C'est bizarre, d'habitude c'est nettement plus cher. Ses compétences, 91 en dribble, finition 84. Voilà, ça c'est sûr et certain, c'est des stats qui mentent pas. En coup franc, 78, j'ai eu aucun coup franc avec lui. Pourtant j'ai eu des fautes, mais c'était toujours des fautes assez lointaines, du coup j'ai pas pu en profiter. En penalty 81, il a marqué quelques-uns, ça va. En tir lointain 75, je lui mettrai un peu plus. Vous verrez par les buts, il a marqué des grosses frappes, des super super frappes. Passe courte 79, puissance de tir 77, voilà, ça va. En volée 83, ouais, vous verrez qu'il a marqué quelques petites volées. Par contre, dans les exploits physiques, enfin dans les compétences physiques, ça fait mal. 91 accélération, 93 agilité, 86 de réaction, 89 de sprint, 86 d'endurance. C'est un mec qui court tout le temps, il court tout le temps. Vous verrez par les phases de gameplay, vu qu'il a bien sûr 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Vous verrez que j'ai quand même marqué quelques petits buts. C'est pas des clips de ouf, mais j'ai quand même marqué quelques petits buts en skillant, en faisant mal à l'adversaire. C'est énormissime. Il court tout le temps. Il est jamais, rarement fatigué. J'ai fait évoluer dans une BBVA que vous verrez en vidéo. Enfin, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, vous la verrez en vidéo. Il se fatigue nettement moins vite que ses coéquipiers plutôt. Il a une stat de 45 en force qui pose problème. C'est vrai que c'est une stat qui pose problème. Au moins de coups d'épaule, il galère. C'est vrai qu'il galère un peu. Des fois, il arrive à maintenir car il a une bonne vitesse. Puis, sa stat de dribble. Si vous êtes bousculé, franchement, je vous conseille, si vous êtes bousculé, mettez un sculpteur. Paf! Automatiquement, votre adversaire vous lâche. Ensuite, il a une stat extraordinaire à 88 en placement. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas du mytho. C'est pas du mytho. Franchement, il est vraiment très très bon. Il se place toujours au bon moment. Vous verrez par les phases de gameplay quand il faut être là. Au bon moment. Il est présent. Et une stat de 74 en vision. Je l'ai fait voulu au MOC. Pourtant, cette stat n'est pas très très élevée. Mais elle ne m'a pas posé problème. Donc un Neymar, franchement extraordinaire, qui a des contributions élevées en attaque et médium, enfin moyen, moyenne en défense. Donc c'est correct. 1m75, 21 ans. Et de base, il est bleu. Donc on va bien sûr attaquer les clips. Donc les gens, on commence tranquillement par une action. Neymar au milieu de terrain qui va se balader, franchement. Hein. Avec lui, c'est facile, les 5 étoiles de geste technique, c'est simple, voilà. Pour dribbler, c'est très simple, ici une longue frappe, voilà, un petit long shot, tranquillement, 40e, il marque, vous voyez par les phases de gameplay qu'avec Neymar, vous pouvez partir à la limite de votre surface et traverser tout le terrain, comme ici, le prouve, regardez, hop, on va dribbler tranquillement plusieurs joueurs, après, des stop and turn, ça passe bien, les scoop turn, c'est magnifique, vous verrez que là, cette action est superment bien réalisée, voilà, toute la défense a pris tarif. Être franc avec vous après son action finit sur le montant. Bon, bref, après il y a un petit hors-jeu niveau penalty. Il me semble qu'il a un bon petit 82, je crois. En penalty, voilà, en pleine lucarne, ça passe facile, même si le gardien c'était sèche. Ici en finition, Neymar devant le gardien, voilà, en force. Je vous invite à tirer en force avec lui en enroulé, ça passe, mais de moins en moins. Ici, là, Neymar, encore une fois, le terrain qui est autour de 4-5 joueurs. Les petits scoop turn, les stop and turn, ça passe. Un petit compte favorable qui fait plaisir. Et là, la grosse frappe, tranquillement, au sol, qui finit au fond. Voilà, avec Neymar, j'ai fait évoluer au poste de MOC, mais c'est comme si je veux évoluer en BU. Voilà, vous verrez que dans l'équipe à laquelle j'ai fait évoluer lors de ma prochaine vidéo, mais c'est vraiment du pur kiff. Niveau passe décisif, il en fait, mais bon... Je préfère plus prendre de plaisir avec Neymar que faire des passes décisives. Ici, un petit plat du pied face au gardien, ça passe super, super bien. Voilà, c'est l'un des points forts, l'un des gros, gros points forts de Neymar, c'est sa stat en finition. Franchement, énormissime. Vous verrez, il y aura quelques clips encore où je vais me balader. Voilà, le scoop turn devant le gardien qui fait très, très mal. Tous les gestes techniques, scoop turn, voilà, il y en a plein, les scoop turn, les stop and turn, tout ce que vous voulez en turn.
Ça passe super, super bien. Voilà, avec Neymar, regardez ce clip magnifiquement. Regardez, il y a plusieurs joueurs, ils résistent un peu à l'épaule contre épaule, les scoop turns, les contres favorables. Ça passe bien, une petite passe en profondeur pour Benzema. Vous avez quand même pas mal de contres favorables avec Neymar, car il a une bonne agilité, il presse bien, et puis il a surtout une vitesse d'exécution que l'adversaire, il tend la jambe, il touche le ballon, mais il n'a jamais, jamais le temps de récupérer le ballon pleinement. Vous verrez qu'aussi, par sa stat de tête, il arrive à marquer quelques buts ici. Un beau petit but, franchement. Roulette, passement de jambe, etc. La frappe en force. Donc, j'invite à utiliser Neymar en MOC. En B, il manque nettement, nettement de physique. Ici, encore un penalty. Voilà, on va tirer toujours à gauche, en pleine lucarne, et ça passe tranquillement. Donc, j'invite vraiment, vraiment à le tester en MOC. Je remercie aussi Joe, un collègue de fut millionnaire, voilà, qui m'a prêté Neymar. Là, Neymar, son jeu de tête est vraiment très 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 bon. Il a que 58 de tête sur sa carte, enfin en stade de tête, mais il est vraiment vraiment très très bon. J'ai rien à lui reprocher. Son point faible, c'est vrai que c'est vraiment le physique. Des fois, il pourrait galérer, même si vous voyez que dans les phases de gameplay, il n'y a pas trop trop de moments où il se fait démonter, hein, si vous voulez. Il est vraiment très très bon. Ici, c'est une belle action, franchement, que j'ai bien fait. Je suis parti dès le milieu de terrain et en vitesse. Voilà, personne ne me rattrape. En plus, c'est que 5 étoiles. Ici, un arc-en-ciel a avancé, je me fais faucher, je menais largement, je me suis dit pourquoi pas prendre un peu de risque. On va tenter quoi? On va tenter la Panenka, on va choisir Neymar qui a 85 en penalty, excusez-moi. Voilà, Neymar, ça tente ou ça passe? Ça passe ou ça tente? Et voilà, on a tenté, c'est passé tranquillement. Voilà, avec Neymar, il y a tout qui vous réussit. Je vous invite vraiment, vraiment à le tester. Vous verrez lors du bilan les points négatifs et les points positifs. Mais j'ai rien à lui reprocher à part son manque de physique qui se frappe pleine lucarne. Franchement, c'est énormissime de jouer avec des joueurs. Je prends vraiment beaucoup de plaisir avec ce joueur. C'est magnifique, voilà. C'est tout simplement, c'est magnifique. 5 étoiles de jeu technique, une bonne vitesse, une bonne finition. C'est le joueur parfait. Ici, un petit coup de favori avec Benzema qui a apporté sa carotte devant la frappe. Donc voilà, les gars, on va se retrouver. Je vous laisse avec le dernier clip et on se retrouve bien sûr avec le. Enfin, on se retrouve bien sûr pour le bilan. Donc pour le bilan du magnifique Neymar, beaucoup de points positifs. Sa vitesse, c'est vrai qu'il a quand même 90 de vitesse. C'est plaisant de jouer avec des mecs comme ça, combiné à une agilité énorme, surtout avec ses 5 étoiles de jeu technique. Une 7 en réaction énorme. Franchement énorme, vous verrez, hein, comme si vous pouvez vous le tester. C'est un investissement, comme je vous l'ai déjà dit, 270 000 crédits, c'est plus cher que le Benzema Boost, c'est vrai. Mais je prends plus de plaisir franchement avec Neymar qu'avec Benzema Boost. Son placement énormissime aussi, vous verrez que vous avez vu lors des phases de gameplay que au moment où il faut mettre la tête, le pied, il est toujours là au bon moment. Sa puissance de tir est énorme. En long shot, il est vraiment très très bon. Une grosse frappe, ça va sous la barre, ça va au fond tranquillement. Après, les points positifs, il y en a deux que j'ai retenus principalement. On pourrait lui en retrouver de temps en temps, mais c'est selon moi les deux points positifs qui reviennent le plus. Son prix, c'est normal, à quasiment toutes mes reviews. En point positif, il y aura le prix, c'est sûr. 270 000 sur Xbox, plus de 300 000 sur PS3. Et sa stat de force qui est 48, qui pose problème. C'est pour ça qu'il faut le faire évoluer en MOC. En MOC, on a moins de marquage, si vous voulez, qu'au poste de BU. Du coup, on peut plus se démarquer. Voilà, en MOC, c'est beaucoup plus simple. Et puis, vu qu'il enchaîne vitesse, dribble, etc. La descente n'a pas tant de mettre un coup d'épaule. Je suis tombé face à des gros joueurs, des Thiago Silva, des Vidic. Franchement, des Vidic. Vous lui mettez un scoop turn, il est par terre. Un Ramos, c'est pareil. Ça passe très très vite. C'est pour ça qu'avec Neymar, j'invite à le tester, les gars. Donc sur ce, c'était Cyril. J'espère que cette review vous aura plu. Je tiens à remercier Zerkiton qui m'a fait toutes les petites images que vous avez pu voir dans la vidéo, ainsi que la miniature. Allez faire un tour sur sa chaîne. Tout est dans la description. Sur ce, les gars, je vous dis merci à tous, c'était Cyril. N'oubliez pas de me conseiller un petit joueur boost, un joueur que vous aimeriez bien que je fasse en review. Sur ce, les gars, c'était Cyril. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.